Jérôme Ménager est l'un des premiers peintres de rue parisiens. Ses œuvres participent au courant artistique communément appelé art urbain. Créateur de l'homme en blanc, aussi appelé corps blanc, cette silhouette est symbole de lumière, de force et de paix. Jérôme Ménager l'a reproduite à travers le monde entier, des murs de Paris à la muraille de Chine. Le tableau qui nous intéresse ici fait partie d'une série peinte à Marrakech pendant le tsunami du Japon. Et ce travail donna lieu à une exposition au Centre culturel français. La toile a été achetée au souk et le pochoir chez un marchand de peinture local. Donc là, on est devant un tissu marocain. C'est une série qui a été faite en 2011. Jérôme Ménager était en résidence à Marrakech à ce moment-là. Et on retrouve le personnage principal, donc là, qui jongle. Une œuvre classique de Jérôme Ménager. La silhouette classique, très très élancée, très toujours dans la dynamique. Et qui représente un petit peu tout l'enthousiasme de Jérôme à promener son personnage blanc à travers le monde. Là, on est à Marrakech, mais sur d'autres séries, on voit le personnage blanc sur des expositions qui ont eu lieu aux États-Unis, en Asie, en France, bien sûr. Un personnage qui est un petit peu universel et qu'on voit dans toute l'œuvre de Jérôme Ménager depuis le début des années 80.